Voilà, donc prêt. Salut Stéphane, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien et bienvenue à la troisième édition de nos conférences en ligne tous les jeudis. Avant de commencer, dites-moi un peu dans le chat d'où venez, de quelle région, s'il vous plaît. Et je vais lancer juste après un petit sondage pour connaître un petit peu l'audience aujourd'hui. On est super nombreux. Je vois que c'est un sujet qui passionne beaucoup de gens. Bienvenue à vous tous. Dites-moi dans le chat, vous venez de quelle région? Verviers, Bruxelles, Arlon, Liège, bienvenue. Beaucoup de personnes de Bruxelles, je vois. Bienvenue à vous tous. En parallèle, je vais lancer le sondage. Dites-moi si vous voyez bien le sondage. Allez, soyez proactifs pour qu'on puisse avancer rapidement sur cette présentation. Est-ce que vous avez déjà fait de la sous-location? Est-ce que vous avez déjà investi dans l'immobilier en faisant de la sous-location? Oui, non, je ne sais pas ce que c'est la sous-location. OK, super. Donc, vous êtes nombreux, beaucoup de gens. Voilà, super, tout le monde a répondu. Tout le monde a répondu, bravo. Beaucoup de personnes qui arrivent, beaucoup de personnes de Portugal, Tournai, Côte d'Ivoire, d'Afrique, bienvenue à tout le monde. Lille, Portugal, bienvenue Aline, Sambreville, yes, bienvenue. Bruxelles, Verviers, beaucoup de gens. Super. Donc, pour le sondage, allez, on est presque à 80%. Avez-vous déjà fait de la sous-location immobilière? Si oui, vous cochez oui, sinon vous cochez non. Si vous ne savez pas ce que c'est, ce n'est pas grave, on va en parler. On va en parler. OK, good. On est Eh ben, ça sera génial, 95%. Denis. Oui, je crois que c'est parfait. Peu de gens en ont déjà fait, donc il y a énormément de gens qui vont apprendre beaucoup. Ça me fait plaisir. Exact. Alors, voici les résultats du sondage. Je ne sais pas si vous arrivez à voir un petit peu sur l'écran. Il y a quand même 10% de personnes qui ont déjà fait de la sous-location. Bravo, bravo. 83% qui n'ont pas fait de la sous-location et 7% des personnes qui sont présentes ce soir ne savent pas ce que c'est. C'est exactement à quoi on s'attendait, Stéphane et moi. La sous-location est méconnue. Peu de personnes utilisent la sous-location. Bienvenue à cette troisième édition de la conférence sur la sous-location immobilière, comment devenir libre financièrement grâce à la sous-location immobilière. Nous sommes à la troisième édition. Pour ceux qui étaient présents à la première conférence, nous avons parlé de la colocation versus la location saisonnière, quels sont les avantages et inconvénients et dans quel cas il faut les utiliser et pourquoi aujourd'hui, pour améliorer nos rendements quand on débute dans l'immobilier, c'est intéressant de partir sur de la colocation et de la location saisonnière. Et la deuxième partie, c'était sur le financement bancaire. Comment monter un dossier et éviter les refus de crédit, c'est super important. Stéphane a partagé énormément de pépites avec nous à la deuxième conférence. Pour les personnes qui sont présentes ce soir, qui n'ont pas eu accès à ces deux premières conférences, vous pouvez, à la fin, on va mettre nos mails. Vous pouvez juste nous envoyer un simple mail et on vous envoie le replay. On a déjà envoyé ça, le replay, à toute notre base de données. On a déjà posté ça sur nos réseaux sociaux. Si par hasard, vous n'avez pas eu le replay, envoyez-nous un simple mail à la fin et puis on vous envoie les deux premières conférences. Aujourd'hui, on va parler de la sous-location immobilière. Depuis ces trois conférences, on le sait tous. L'immobilier est en train de grimper. D'ailleurs, j'ai une question à vous poser, répondez-moi dans le chat. Est-ce que vous avez remarqué que l'immobilier, le prix de l'immobilier à l'achat est en train de grimper d'une façon quand même linéaire, voire très très rapide? Dites-moi si vous avez remarqué, oui ou non. Est-ce que vous avez remarqué que l'immobilier, le prix de l'achat de l'immobilier augmente non-stop depuis le Covid? Exact. Laurence, elle dit oui, ça a du succès depuis la pandémie. Renaud, il dit ça va stabiliser, non? Brice, il a remarqué. Est-ce que vous avez remarqué que le prix de l'immobilier augmente? Oui, depuis le Covid encore plus. Terriblement, l'utilisateur de Zoom caché. Oui, merci le Covid, Joseph. Oui, même en Afrique. Oui, j'ai remarqué. Oui, beaucoup de oui. Exactement. Est-ce que maintenant, j'ai une autre question. Est-ce que vous avez remarqué que les loyers n'ont pas augmenté
comme ce qui s'est passé avec le prix de l'achat de l'immobilier. Est-ce que vous avez reçu des appels ou des mails de votre propriétaire qui vous a dit, ah bah tiens, on va augmenter le loyer de 10%, de 15%? Pas tout à fait. Pas tout à fait. Okay? On n'a pas encore reçu des appels que le loyer augmente. Donc, vous voyez quand même la différence sur l'achat. Le prix a augmenté, mais les loyers, le prix n'a pas augmenté. Il y a beaucoup de prix qui ont augmenté, le prix de la rénovation, le prix des matériaux bruts, l'électricité, l'eau, tout ce qui est énergétique est en train d'augmenter. Mais on vous l'a dit la dernière fois, ne souhaitez pas que la vie soit facile, parce qu'elle ne le sera pas. Plus on avance dans la vie, plus la vie va être un peu plus difficile en face de nous. C'est comme ça, ayez cette philosophie dans la vie. Ne soyez pas que l'année 2022 soit si souple, si simple, que vous allez réussir plus rapidement. Ça ne sera pas le cas. Okay? Ça sera pas le cas. Plus les années passent, plus il y a des gens qui s'adaptent, plus ça devient de plus en plus difficile d'atteindre la liberté financière. Mais ne souhaitez pas que ça soit facile en face, on a dit. Apprenez, éduquez-vous financièrement. Et apprenez à faire face à cette vie et à surmonter les obstacles pour atteindre cette liberté financière. Seuls ceux qui sont éduqués financièrement post-Covid vont s'en sortir niveau indépendance financière. Bravo à vous tous, là, vous êtes nombreux ce soir, vous voulez apprendre, vous voulez vous éduquer financièrement. Il y a 83% des personnes n'ont pas fait de la sous-location. Justement, posez-vous la question. Est-ce que c'est peut-être pas fait pour moi? Est-ce que c'est pas mieux que j'aille dans des endroits où il n'y a pas beaucoup de gens? Parce qu'on le sait dans l'immobilier, si on va acheter des biens en dessous de 300 000, ben, il y a énormément d'amateurs sur ces biens. Aller acheter des biens à 400, 500, 600, 1 million, 2 millions, il n'y a pas beaucoup d'amateurs. C'est là où on fait des excellentes affaires. C'est ça où on fait des bonnes affaires. C'est ça la belle philosophie dans la vie. Où il y a de la masse, fouillez, allez faire l'opposé et vous allez réussir niveau financier. Regardez ce que les gens font autour de vous, faites l'opposé. 83% des gens qui sont présents ici, alors qu'ils sont des amateurs dans l'immobilier, des investisseurs dans l'immobilier, ne font pas de la sous-location. C'est peut-être intéressant de s'intéresser à ce mode de location. Donc aujourd'hui, ça ne va pas être beaucoup de pépites. On va vous exposer ce que c'est la sous-location d'une manière un peu claire. Ah, pour les gens qui ne savent pas ce que c'est ou pour les gens qui n'ont jamais fait, peut-être ça va vous solliciter. Aujourd'hui, le but, ce n'est pas vous donner des pépites. Dans le séminaire, on va passer 3 à 4 heures sur la sous-location. On va vous donner tout. Là, ici, on va décrire ce qu'il faut faire pour réussir sa sous-location, mais on ne peut pas passer 4-5 heures ensemble ici pour vous expliquer tout. Mais lors du séminaire, on va tout vous exposer avec Stéphane. Donc, on va parcourir cette présentation ensemble. Soyez très attentifs. J'ai le plaisir et l'honneur d'avoir encore avec nous Stéphane, fondateur d'ImmoStart et qui est déjà libre financièrement, qui m'accompagne avec ses visios tous les jeudis. Et qu'on organise également des séminaires sur l'investissement immobilier ensemble. Je vais vous demander de faire un gros yes, bienvenue à Stéphane dans le chat, qui va commencer par nous présenter la partie sous-location. Stéphane, est-ce que tu nous entends? Essaye peut-être de prendre ton Avec le micro. micro, c'est mieux. Yes. Voilà, je t'entends très bien, Danny. Voilà, je demande le contrôle. Essaye de prendre le contrôle. OK, good, c'est approved, c'est parti. Voilà. Bonsoir tout le monde. Et ben voilà, Dani vous a tout dit. On va vous parler aujourd'hui de sous-location. Et le but vraiment, c'est de vous faire découvrir ce mode de location, de vous faire découvrir comment utiliser la sous-location, justement, ben, entre autres pour devenir rentier, pour se créer une rente via la sous-location et apprendre un petit peu ce style de location, ce style d'investissement immobilier qui n'est pas très connu. Okay. Ça commence, c'est comme dans tout, hein. Ça a commencé à bien monter en France, ça arrive tout doucement en Belgique, donc vous avez une chance énorme, vous êtes dans les premiers. Et vous savez, c'est toujours dans les premiers où on arrive à faire de très très bons coups. C'était la même chose dans la colocation au début, quand on n'en parlait pas trop, mais il y a des gens qui ont fait de super bonnes affaires. Idem pour tout. Voilà, on va vous parler donc de quelque chose que les gens ne connaissent pas très bien. Profitez-en. Alors avant de se lancer là-dedans, hop, hop.
Diaporama. Voilà. On reprend. Voilà. Alors, je vais vous parler un tout petit peu de moi, 2 secondes. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Stéphane Dibary. Et moi, mon but, c'est voilà, de vous accompagner dans vos investissements immobiliers rentables et en toute sécurité. Donc, vraiment, moi, j'aime accompagner mes clients pour qu'ils puissent investir d'une manière rentable, parce qu'il faut pouvoir continuer à se créer des rentes et surtout de manière sécurisée. J'ai à peu près 19 entités locatives, dont une qui est en sous-location. J'ai plusieurs colocations. Moi, j'aime beaucoup la colocation, donc c'est une de mes petites spécialités perso. Voilà, ça c'est pour moi. Et vous allez voir que ceux qui me connaissent un peu mieux, j'ai un parcours un peu, pas atypique, mais un peu comme tout le monde. Donc moi, je suis tombé dans l'immobilier parce que j'ai voulu faire des investissements. Donc quand j'ai commencé à travailler, je me suis dit, tiens, il y a moyen d'investir en immobilier. Quand si j'achète un appartement, je paye. Mais je me suis rendu compte, si j'achète un immeuble que je mets en location, c'est les locataires qui payent. Et ça m'a parlé. Et donc, j'ai acheté un immeuble avec des cotes d'étudiants à l'époque. Et j'ai eu toutes les merdes possibles et inimaginables parce qu'à l'époque, ben justement, on n'avait pas cette immense chance qu'on a aujourd'hui d'avoir l'information à profusion. Donc, j'ai fait un peu ce que je pouvais. J'ai un peu appris à la dure et c'est une des raisons pour laquelle j'ai créé donc cette société ImmoStar pour accompagner les gens et pour que les gens ne doivent pas repasser par les mêmes erreurs parce que ce n'est pas toujours très gai. Voilà, moi, j'ai tout eu. J'ai eu un problème de permis de location. Donc, je venais d'acheter. Le gars, il savait très bien pourquoi il me vendait ce bâtiment-là. C'est parce qu'il n'était pas en règle. Le notaire, je n'ai pas fait les checks qu'il fallait faire, qu'on vous apprend à faire, dont on vous parle tout le temps. Puis, j'ai eu des problèmes avec la division urbanistique. Après, j'ai eu des problèmes avec les assurances. J'ai eu de mauvais locataires parce que je ne savais pas choisir mes locataires. Assurance, idem. J'ai été 2 ans en procès avec mon assurance après un incendie parce que ben, je n'avais pas signé les bons contrats avec les bonnes petites clauses. Enfin, quoique, je n'avais pas si mal signé que ça quand même puisque j'ai gagné contre l'assurance, mais 2 ans quand même à se battre contre l'assurance. Et malgré toutes ces merdes-là, vous voyez, j'ai continué, j'ai persévéré, j'ai continué à investir dans l'immobilier. Et maintenant, ben, voilà, je suis presque à 20 entités locatives et j'ai un bon cash flow. Donc, franchement, je suis assez content. J'ai plus de 3 000 euros qui tombent uniquement grâce à l'immobilier tous les mois. Ça fait plaisir et ça me permet justement d'être tranquille. Et je vis pour le moment ma vie en Espagne, même si tout mon parc immobilier est en Belgique. Voilà, ça c'est un peu pour moi. Donc, n'hésitez pas à poser des questions plus tard, mais comme ça, vous savez un tout petit peu d'où je viens et pourquoi je vous parle de sous-location. Parce que non seulement c'est quelque chose qui vous permet de commencer sans trop d'apport, mais surtout aussi parce que j'en fais depuis pas si longtemps que ça, et j'ai trouvé que c'était super intéressant, et donc je veux le partager. Alors, on va... Pourquoi est-ce que la diapanorama saute à chaque fois? Voilà. Hop. Ok, voilà, ça va bien. Voilà. Donc, le but de la sous-location, donc, vous ne voulez pas emprunter à la banque. Alors, que ce soit par choix, par peur, parce que vous avez peur des crédits, c'est vrai que c'est on s'investit pour 25 ans, ou que ce soit par conviction personnelle ou religieuse, c'est des gens qui décident, voilà, ils ne veulent pas emprunter de l'argent à la banque. Ou alors l'opposé, vous ne pouvez pas, vous voudriez bien, mais vous ne pouvez plus. Vous ne pouvez pas, une situation financière instable, vous ne vous êtes pas encore lancé dans la vie vraiment active, ou vous êtes au chômage. Il y a tout plein de raisons qui font que vous ne savez pas avoir de crédit aujourd'hui. Voilà. Ou alors vous n'avez pas d'apport. On a entendu souvent, maintenant c'est de plus en plus difficile d'avoir des crédits à plus de 100%. C'est aussi une chose qui vous permet de commencer, mais voilà. Ça vous permet de vous commencer à générer des revenus avec l'immobilier sans passer par les banques. Voilà. Et donc, tada, c'est bien entendu la sous-location dont on va parler aujourd'hui. Alors, c'est quoi la sous-location? La sous-location, c'est un concept très très simple. Okay? Vous prenez un propriétaire et vous allez louer son bien. Donc, vous allez chez un propriétaire, vous allez louer son bien et derrière, ce bien que vous louez au propriétaire, vous allez le sous-louer à quelqu'un d'autre. Et le but du jeu, c'est que vous allez apporter un peu de valeur vous-même et ça va vous permettre de le sous-louer plus cher et donc de faire une rentrée d'argent. Et là, je vais vous réexpliquer ça, mais avec des chiffres réels. Donc ici, je vais vous donner un exemple chiffré pour vous réexpliquer ça. C'est l'exemple de ma sous-location. Okay? Donc, vous avez un propriétaire bailleur qui a un appart à louer.
Donc, il loue un appart. Dans ce cas-ci, voilà, un propriétaire qui voulait louer un appart à 1 000 euros. Donc, dans ce cas-ci, c'est moi le propriétaire. Donc, j'avais une maison que j'ai refaite. Et en location classique, c'est une maison 4 chambres. Elle pouvait avoir 1 000 euros. Et j'ai trouvé quelqu'un qui était intéressé. Donc, j'ai proposé ça en sous-location à quelqu'un. Parce que mon idée, c'était, comme j'aime la colocation, je m'étais dit, tiens, comment faire en sorte pour quand même avoir des rentabilités de colocation, mais étant en Espagne sans devoir rajouter une colocation en plus, parce que j'ai quand même déjà 14 chambres en colocation. Et j'ai parlé avec une personne, et après négociation, donc on a négocié ensemble, elle m'a pris l'appartement à 1050 euros. En contrepartie, moi j'ai meublé l'appartement, donc elle n'a pas dû meubler l'appartement, donc l'appartement était déjà prêt à faire de la sous-location meublée. Okay? Et elle, ce qu'elle fait derrière, elle a trouvé les gens, donc elle a sous-loué, elle loue à des colocataires, donc sa valeur apportée, c'est la colocation, et elle loue à 1400 euros net, donc on parle hors charge. Ce qui fait, si vous savez faire des calculs tout ça, ben voilà, donc cette personne, tous les mois, elle a une accumulation passive de 350 euros. Donc il y a 350 euros qui tombent dans sa poche, tout simplement parce qu'elle a pris mon bien et qu'elle le sous-loue à un groupe qui fait de la colocation. Et vous pouvez faire ça avec beaucoup de types de biens différents. Donc l'idée de la sous-location, c'est vraiment ça. Vous êtes au milieu, vous allez chercher un bien chez un propriétaire, vous le louez au propriétaire, vous apportez quelque chose, dans ce cas-ci, elle apporte le fait de gérer une colocation, et vous le sous-louez aux locataires finaux et vous empochez la différence entre les deux. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un système simple. Après, on discutera. Bon, il y a les baux, il y a des trucs juridiques derrière à mettre en place. Alors, les avantages de la sous-location, ben, vous l'avez compris, le premier avantage, il n'y a pas besoin de crédit bancaire. C'est une location. Vous ne devez pas investir, vous ne devez pas mettre d'apport, vous ne devez pas aller vous battre avec les banques pour acheter quelque chose et avoir des crédits sur 20 ans. Un autre avantage, ben, il n'y a pas de frais d'hypothèque. Il n'y a pas des frais d'agence à l'achat. Voilà, il y a peut-être des travaux, mais tout ce qui est ces frais en plus lors d'un achat immobilier, il n'y a surtout pas les frais d'inscription ni rien. C'est intéressant aussi. Vous augmentez vos revenus. Donc, l'avantage de la colocation, c'est que automatiquement, puisque vous faites un cash flow, une différence de cash flow, vos revenus vont augmenter. Vous en faites quelques-unes comme ça, ben vous allez voir vos revenus qui augmentent, qui augmentent, qui augmentent, et donc vous pouvez accumuler plus d'argent grâce à ces revenus supérieurs. Autre chose qui est super intéressante pour les gens qui commencent en immobilier, mais vous vous arrêtez quand vous voulez. Vous n'êtes pas bloqué sur un crédit pendant 25 ans, vous n'avez pas acheté un bien. Si après un an, vous vous dites, ben voilà, moi, ce n'est pas mon truc finalement, ouais, j'avais envie d'indépendance financière, mais gérer le locataire, ce n'est vraiment pas mon truc, ben vous pouvez toujours arrêter et vous ne perdez pas vos plumes. Voilà. Donc, ça, c'est aussi important. C'est quelque chose qui vous permet de vous essayer à l'immobilier en toute sécurité, en toute sérénité. Autre chose, c'est que, ben, vous le savez maintenant, le marché est très tendu à l'achat. Donc, quand on achète, il y a énormément d'agences. Ici, ben, on est en location. Le marché est beaucoup moins tendu en location. Et donc, vous pouvez aller directement négocier avec le propriétaire et vous ne passez pas par une agence. Vous pouvez vraiment parler avec la personne et il y a moyen vraiment d'avoir de très bonnes négociations. Dany vous parlera un tout petit peu de négociations après, justement. Je vous l'ai dit, vous accumulez beaucoup plus rapidement d'argent. Donc, comme vous augmentez vos revenus avec l'immobilier, quand vous allez aller plus tard voir une banque, non seulement vous aurez plus de revenus, vous aurez une expérience immobilière, parce qu'il ne faut pas croire, quand vous leur demandez un prêt hypothécaire pour de l'investissement locatif, ils en prennent compte. Si vous leur dites déjà, voilà, moi, je gère un portefeuille de bâtiments, ils vont vous prendre beaucoup plus au sérieux et c'est vraiment un paramètre qui compte dans l'acceptation du crédit aussi. En fait, maintenant, vous pouvez faire de la sous-location aussi bien en privé, en personne physique, donc que ce soit la résidence, la coloc de l'Airbnb, vous faites en personne physique, ou si vous avez une entreprise, ou même si vous voulez vous lancer en tant qu'indépendant, vous pouvez aussi faire de la sous-location professionnelle. Vous allez louer des garages ou sous-louer des garages. Par exemple, vous achetez, vous louez à un propriétaire qui a plusieurs garages, vous lui dites, moi je te loue tous tes garages pour X, et puis vous les louez à la pièce et vous faites la différence. Vous pouvez, ça marche super bien, c'est louer des entrepôts. Vous louez un grand entrepôt, vous mettez des parois et vous souez des petits entrepôts aux gens. Ça, ce sont encore des choses qui marchent très très bien. Alors,
Le dernier truc qui marche bien aussi, c'est la sous-location commerciale où vous prenez des grands bureaux et encore une fois, vous divisez, par exemple, les espaces de coworking. C'est un peu l'idée qu'il y a derrière. Soit ils sont propriétaires, mais ils louent un grand espace et puis ils sous-louent bureau par bureau. Donc, tout ça, ce sont des idées de sous-location que vous pouvez mettre en place. Alors, après ça, ben écoutez, je vais laisser la parole à Dani qui va vous expliquer deux, trois petits trucs en plus. Merci, Dani. Merci Stéphane, super intéressant. Guys, là, ça me vient à l'esprit. En fait, je viens de voir que mes meilleures affaires immobilières que j'ai faites, c'est comme ça. Ça, c'est un autre avantage. Le fait que vous soyez directement en communication avec les propriétaires. En fait, j'ai fait de la sous-location en privé et j'ai fait également de la sous-location en bureau, en commercial. Et je me rappelle, en fait, c'est exactement comme ça que j'ai pu faire acheter des biens ou acheter des biens en off-market. C'est une excellente pépite là qu'on vient de vous donner. Vous voulez vraiment faire des bonnes affaires immobilières, aller avec une direction, genre je veux louer votre bien, monsieur, mais... Ben voilà. Voilà, Dany revient. Yes, c'est bon. Donc je disais, c'est exactement comme ça que j'ai fait les bonnes affaires. Je vais louer un bien, je suis en face du propriétaire, c'est du off-market. Pas d'agent immobilier, je négocie. Après 6 mois, 1 an, 2 ans, pop, je me mets d'accord sur un prix et j'achète mes biens. C'est exactement comme ça que j'achète mes biens. Ça, c'est un avantage à prendre en plus également. Beaucoup de personnes qui sont seniors, que nous accompagnons, qui n'ont plus accès à des crédits sur des longues durées, beaucoup de personnes pour des raisons religieuses aussi ne veulent pas avoir accès au crédit. Beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à accumuler de l'argent facilement, go, on peut faire de la sous-location. Ça, c'est fait pour nous. Donc, je m'appelle Dany Palmera, 37 ans aujourd'hui, de formation d'un... Et là, tu es en mute, Dany. Voici les aléas, je dis, du live. Désolé. Donc, je m'appelle Dany Palmera, 37 ans. De formation d'ingénieur dans l'aéronautique. En parallèle de l'ingénierie, j'ai créé ma première entreprise et puis j'ai commencé à investir dans l'immobilier progressivement. Et puis un jour, je me rappelle, j'avais 31 ans, il y a 6 ans d'ici, à table, tout le monde parlait, c'était les mêmes discussions à table tous les midis. Et puis là, d'un coup, je dis, mais à tous les ingénieurs autour de moi, ingénieurs aéro, je dis, vous avez déjà entendu parler de la loi d'attraction, les amis? Et là, ils m'ont tous regardé bizarrement. Ils m'ont dit, Danny, toi, tu dois arrêter de toucher à l'avion. Et c'est là où j'ai compris, en fait, qu'il fallait que je démissionne. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai démissionné. J'avais 31 ans. J'ai atteint ma liberté financière. Et depuis, je me suis focus sur mes investissements immobiliers et la création de plusieurs entreprises. Je possède aujourd'hui plus d'une 60 à 70 unités locatives qui m'ont permis d'atteindre cette liberté financière. Et depuis 1 an et demi, suite à la demande de beaucoup de personnes avec qui j'étais en contact, j'ai commencé à donner des conférences, à donner pas mal de séminaires en petits groupes pour aider les personnes à apprendre ce que j'ai appris au fur et à mesure. C'est mon job, en fait. C'est un duty pour moi de transmettre le savoir que j'ai pu acquérir tout au long du chemin grâce à Napoleon Hill et Robert Kiyosaki. Et donc, j'ai créé le concept The Mind avec un club privé dans lequel j'accompagne des personnes pour atteindre la liberté financière grâce à l'investissement immobilier, le business développement et surtout la partie mindset. On a parlé au début de cette philosophie de vie, quoi. On ne subit pas cette vie, on se lève tous les matins pour aller créer la vie de notre rêve. Et ça nécessite un changement de philosophie, un changement de mindset. Si on croit que notre emploi... Dany vous parle de liberté financière. C'est super important de voir, parce que moi j'ai la chance de, justement de connaître Dany et d'avoir déjà été chez lui, d'avoir rencontré sa famille. Il n'aime pas se mettre trop en avant de ce côté-là, mais atteindre la liberté financière, c'est quelque chose qui vous permet vraiment de faire après ce que vous voulez. Et donc, moi, c'est un plaisir que j'ai de travailler avec Dany parce que travailler avec quelqu'un qui, comme ça, a envie. C'est parce qu'il a envie de le faire, il a envie de partager avec les autres. C'est toujours super intéressant. Dany, donc j'étais en train de te jeter des fleurs, hein, maintenant. Merci Stéphane, merci.
Bon, on va pas tarder, on va peut-être passer à la sous-location. On en a fait pas mal de la sous-location. Donc, il existe un process à suivre. Il y a quelqu'un tout à l'heure, Sébastien, qui disait, mais c'est pas interdit tout ça, la sous-location? Non, Sébastien. Alors, c'est interdit dans un certain cas, mais il existe des choses un peu, surtout des types de baux juridiques à utiliser qu'on a pu consulter en payant des dizaines de milliers d'euros avec des avocats, avec des spécialistes. Qui nous ont aidés un peu à trouver les bons mots. C'est ce qu'on va partager avec vous lors du séminaire, quoi. Donc, oui, si vous la faites pas d'une manière correcte, c'est interdit la sous-location et vous risquez d'avoir des sanctions quand même. Donc, faites attention, voici le process. Le process n'est pas si long. On va parcourir le process pour réussir sa sous-location. Il y a 8 étapes. Il n'y a pas 10 000, il y a 8 étapes. Et lors du séminaire, on va focus d'une demi-heure à peu près sur chaque module, d'une manière à que il suffit que vous preniez les datas que vous avez vues, la présentation, et vous suivez à la lettre exactement ce qu'on est en train de vous dire ici, et vous allez avoir des multiples sources de revenus passifs sans se vous soucier par la quotité, par l'apport que vous devez mettre à la banque. On n'a plus besoin de banque. On a besoin juste de 1, 2 mois de caution. Et on a nos revenus passifs qui tombent tous les mois. Okay? Je donne un exemple. Que ça soit un immeuble de bureau ou un immeuble, un petit hôtel, par exemple, de 7 chambres, vous le louez à 2 000 euros. Vous sous-louez chaque chambre en colocation à 500 euros. Ça fait 3 500. Ben, vous avez 1 500 euros de cash flow qui tombent tous les mois sans avoir un crédit pendant 25 ans. J'espère que ça sonne quand même. 83% n'ont jamais fait de la sous-location. On a tous fait de la sous-location. Quand j'ai été étudiant même, en sortant de l'école, mon premier emploi, je me suis retrouvé à changer de ville. Donc, dans chaque ville, j'avais une habitation et je sous-louais mon habitation à plein de gens et j'allais vivre chez ma copine. Ça squattait. J'accumulais à l'époque. C'était comme ça. Donc, tout le monde peut le faire, ok? Même en tant qu'étudiant, vous pouvez le faire. Donc, la première étape, c'est la recherche du bien. Ce n'est pas n'importe quel bien. Ce n'est pas n'importe quel bien. Il y a des biens quand même spécifiques qu'on va, pendant le séminaire, parcourir. Je vais prendre 15-20 minutes. Je vais parcourir avec vous ImmoWeb, ImmoVlant, les autres sites, pour vous dire, allez contacter lui. Félicitations, vous avez 700 euros en plus tous les mois. Allez contacter lui, vous avez 1 100 euros tous les mois. Allez contacter lui, vous avez 400 euros tous les mois. Il suffit juste d'aller. Je vous donne les trucs et je vous explique comment trouver les bonnes affaires. Quelle stratégie de location? C'est important, la stratégie de location. C'est quand vous louez votre bien à quelqu'un, vous allez le sous-louer. Si vous le sous-louez en classique, ça veut dire vous louez à 700 euros et vous le sous-louez à 800 euros, ben vous allez faire peu, peu d'argent. Donc ça arrive pour les studios ou les apparts une chambre ou 2 chambres. Par contre, vous pouvez prendre des apparts 3 chambres, des duplex, des maisons unifamiliales, bifamiliales, ou vous pouvez les louer par exemple à 1 000, 1 500 euros et les sous-louer à 2 000. Dani, si tu veux, je partage l'écran. Ce serait peut-être déjà ça. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu vois l'écran, Stéphane? Vous voyez l'écran? Je pense qu'il voit l'écran, mais c'est l'écran que moi je partage. Bon, très bien. Donc moi, je suis revenu à la présentation. Si tu Voilà. sais arrêter, s'il te plaît, Stéphane, le J'ai arrêté. C'est partage. bon. On voit ton écran, Dani. Je comprends pas ce qui se passe. C'est le fait peut-être d'habiter un peu loin de la ville. Donc, si on loue un bien et on le sous-loue en colocation, ben là, on va faire quand même pas mal d'argent. Mais il existe des choses quand même qui donnent du méga cash flow, c'est la location saisonnière. C'est ce que nous avons parlé au début. Okay, vous n'avez peut-être pas besoin d'acheter un bien. Vous louez un bien, vous le sous-louez en location saisonnière, bingo, vous avez du méga cash flow. Vous pouvez faire du mixture des maisons unifamiliales. J'aime bien cette méthode. C'est ce que j'ai fait dans mes maisons et dans mes hôtels que j'ai loués. Je loue des biens et je sous-loue en soit la moitié colocation et l'autre moitié en location saisonnière parce que je sais que les gens qui habitent dans le bien, ils vont gérer la location saisonnière et la réussir en même temps. Ça, j'adore cette technique-là et je vous invite vraiment à réfléchir à ce type de bien. Donc ça, c'est la première partie. Ça, c'est la première partie à réussir. C'est bien choisir son bien et
la stratégie de location qui dépend de chaque bien. OK? La deuxième partie, on va faire des visites. OK? Ça, la loi d'attraction, ça est activée quand on va aller l'extra mile. On va aller visiter des biens. OK? Pour trouver le bon propriétaire avec qui on peut parler. Il y a des propriétaires bonnets, il y a des propriétaires super sympas. Il y a des propriétaires qui deviennent des amis à nous. Et il y a des propriétaires qui deviennent des amis à vie. C'est important d'aller les trouver, ces propriétaires. OK? Et surtout, quand on trouve le bien, on le visite bien, il y a des choses que vous n'allez pas voir sur l'annonce. Une buanderie en plus que vous pouvez transformer en chambre. Un bureau ou deux bureaux en plus que vous pouvez faire en chambre en plus, qui va faire un impact énorme sur notre cash flow. Le cash flow, tout le monde, c'est tout ce qui rentre comme loyer moins tout ce qui sort doit être toujours, toujours positif. Ça, c'est la deuxième étape et je vous explique comment bien calculer son cash flow. La troisième étape, c'est la négociation. Okay? La négociation, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement, nous voulons avoir l'autorisation du propriétaire. Nous, on veut deux choses. On veut que le propriétaire accepte de nous donner l'autorisation de sous-louer. S'il ne l'a pas autorisé, attention, on doit avoir explicitement par écrit, surtout dans la région wallonne, une autorisation du propriétaire qui nous sous-loue. C'est ce qu'on veut vraiment. Et la deuxième chose, c'est qu'il nous offre un mois gratuit de loyer ou on réduit le loyer qu'il a annoncé sur ImmoWeb. OK? C'est ce qu'on veut. Mais lui, il veut deux choses aussi. Lui, il veut qu'il soit payé en début de chaque mois et sans retard et qu'il ait cette tranquillité d'esprit. Et il veut également que son bien reste super entretenu pendant la location. Il n'a pas envie de le récupérer dans un état pitoyable, dégradé. Il n'a pas envie que les autres locataires de l'immeuble l'appellent pour lui dire qu'il y a des nuisances sonores, des soucis de copro. Il n'a pas envie de faire des rappels de paiement régulièrement. Il veut vraiment ça. Donc, vous voyez, c'est vraiment un équilibre entre ce que je veux et ce que le propriétaire veut. Lors du séminaire, je vais vous donner des pitchs, en fait. Qu'est-ce qu'il faut le dire? Je prends ce pitch et je vais dire « Bonjour, monsieur le locataire » et je le récite par cœur. Je viens aujourd'hui parce que je veux faire ci, ça, 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 ça. Est-ce que vous faites… Eh bien, vous allez voir que vous serez surpris. Un propriétaire sur trois va vous autoriser de sous-louer son bien. Et surtout, si vous avez des investisseurs comme nous, Stéphane et moi, on vous donne nos biens. On donne nos biens aux membres du club, on donne nos biens à des gens qui nous accompagnent. Faites de l'argent. Donnez-nous l'esprit tranquille pour qu'on puisse faire d'autres investissements immobiliers. Faites un peu. Vous n'allez pas avoir l'esprit tranquille pendant quelques mois, mais on est là pour accumuler. Sauf évidemment si vous faites appel à des sociétés de conciergerie qui vous libèrent complètement, mais ça veut dire que votre marge, elle sera réduite. OK? Donc, c'est la troisième étape, c'est comment négocier. Quatrième étape, c'est le type de bail. Le type de bail à utiliser, c'est très important. Si vous faites une erreur à ce niveau-là, tout capote. Vous risquez d'avoir des soucis. Donc, je vais vous partager avec vous en fonction de est-ce que vous allez habiter dans le bien ou vous n'allez pas habiter dans le bien, deux types. Je vais vous donner deux baux, main dans la main. Il y a juste à remplir prénom, nom, nanana, et vous mettez les durées. Basta. Tout ça, ça nous a coûté beaucoup d'argent pour comprendre tout ça. On va partager tout ça avec vous. Donc, attention au type de bail entre le bailleur, le propriétaire et moi. Monsieur le propriétaire, donne-moi, on va signer un bail que tu m'autorises dedans de sous-louer. Mais attention, il y a plusieurs types de baux. On l'a expliqué pendant les séminaires d'avant. Donc, il y a des baux spécifiques qu'il faut utiliser avec des lectures spécifiques et des clauses en plus à mettre. Ensuite, une fois on a le beau, on loue. Rapidement ici, on va mettre notre bien en valeur. C'est ce qu'il a dit Stéphane. On va rajouter de la valeur ajoutée sur le bien. Est-ce qu'on va le meubler? On va le décorer? On va faire un coup de peinture sympa? On va mettre la fameuse plante dont je vous ai parlé la première présentation. Vous vous rappelez de la plante d'IKEA? Eh bien, qui est là dans toutes les photos? Eh bien, on va faire appel à cette plante également pour créer le coup de cœur en fait. Et quand on crée le coup de cœur, on peut augmenter d'un petit peu plus le loyer. Donc, c'est une étape quand même à ne pas négliger. Et on va vous donner beaucoup d'astuces de décoration lors du séminaire.
Vous n'avez pas besoin d'être architecte intérieur. Vous regardez, une pièce, elle est comme ça, ben, ça veut dire il faut que je fasse ce type de peinture ou je mets un truc ici. Quoi. C'est si simple que ça. 6-7 points, vous les faites et ça crée le coup de cœur. Sixième étape pour réussir sa sous-location, c'est être proactif. Fast and reliable. Rapide et fiable. Pourquoi? Je ne veux pas qu'il y ait des vides locatifs. Moi, je paye au propriétaire de l'argent tous les mois. Je veux que ma colocation ou ma sous-location ou ma location saisonnière soit toujours remplie. Soit toujours remplie. C'est tout ce qui compte pour faire un delta cash flow. Ce n'est pas quelqu'un qui m'annonce « Dans 2 mois, je quitte la colocation. J'attends dans 2 mois pour mettre l'annonce et trouver quelqu'un d'autre. » Ça, c'est faux. On commence 2 mois à l'avance, avant son départ, de faire passer des visites pour qu'il y ait quelqu'un qui arrive pile poil après le départ, le lendemain, pour éviter le vide locatif. Donc, il est super important, je vous explique comment choisir votre locataire également. Et à la fin, une fois vous trouvez le bon locataire, le sous-locataire, on va dire, vous devez faire également un bail, une convention entre vous et lui. Et ça, vous ne trouvez pas sur Internet. Allez chercher sur Internet, ça n'existe pas. On a consulté, je vous ai dit, des avocats pour trouver les bonnes conventions. On va vous donner les conventions. Vous êtes en région wallonne, on va vous donner les types de conventions. Vous êtes résident, vous allez habiter dans le bien. Il y a un type de bail où vous n'allez pas habiter dans un bien, il y a un autre type de bail. En Wallonie, en Flandre et à Bruxelles. Ça doit être une cascade entre les clauses du bail que vous avez et les clauses du bail de sous-location. Rebonjour, Denis. Donc, j'ai terminé d'expliquer un tout petit peu donc, les baux de sous-location. Je te laisse reprendre pour la fiscalité. Et mute, tu es en mute. Yes, thank you, Stéphane. Donc, très important de choisir le bon bail avec notre sous-locataire parce que, imaginez, il y a quelque chose qui ne va pas ou il se domicilie dedans alors qu'il ne devait pas se domicilier. Vous ne pouvez plus le sortir facilement. Et si le propriétaire veut récupérer son bien, ce n'est pas évident. Donc, il faut qu'on regarde quel type de bail on a fait avec le propriétaire et adapter le type de bail qu'on a fait avec notre sous-locataire pour éviter les soucis par la suite. Très important. Et une fois on trouve le sous-locataire, on commence les revenus passifs. Jackpot. On commence les revenus passifs mois après mois. Et puis, du jour au lendemain, on veut arrêter. On donne 1, 2, 3 mois de préavis et on quitte le bien. C'est si simple que ça. Par contre, en fonction que si vous êtes en privé, vous investissez en privé ou vous investissez en société, il y a une taxation différente. Vous allez gagner de l'argent ici, mais n'oubliez pas qu'il y a quand même une taxation. Alors, je vais vous expliquer, si vous êtes en société, je vous explique comment ne jamais payer de l'argent légalement. Si vous êtes en privé, je vous explique comment réduire au maximum votre assiette d'imposition. Donc, c'est un peu, ça ressemble à la location saisonnière qu'on a fait à la première conférence. Je vous ai expliqué, si vous êtes en privé, vous investissez, ben soit on met ça dans les revenus immobiliers ou les revenus mobiliers, les revenus divers ou les revenus professionnels. Ici, quand on fait de la sous-location, il y a un peu du revenu mobilier et des revenus divers qui vont rentrer en jeu. Je vais vous expliquer exactement comment faire pour déclarer vos revenus et éviter les surprises à la fin. Donc, OK. Allez, je veux dire, là, les huit étapes sont super simples. Il suffit juste de les suivre étape par étape et vous allez réussir votre sous-location. Guys, en sous-location, je vous promets, vu que le prix de la location n'a pas augmenté comme le prix de l'immobilier, vous pouvez faire des excellentes affaires. Vous pouvez faire des rendements monumentaux encore. Vous pouvez avoir un méga cash flow en sous-location à zéro risque. Il n'y a pas de crédit sur votre dos. OK? Donc, c'était le but de cette présentation aujourd'hui, de vous dire, ça intéresse qui en vrai la sous-location? Tout le monde, toute personne qui a envie d'accumuler plus d'argent pour atteindre la liberté financière, il peut y aller. Quels sont ses avantages? Il y a énormément d'avantages. Quelles sont les 8 étapes pour faire de la sous-location? Ben, on vous les a citées. Et lors du séminaire, on va parcourir
toutes les, on va passer 3 heures pour vous donner tous les éléments en main. Je vais vous expliquer également, si vous faites de la sous-location saisonnière, comment sous-traiter ou comment faire appel à des sociétés de conciergerie pour automatiser à 100% ou encore mieux, comment créer votre propre conciergerie pour sous-louer énormément de biens. Guys, dans ma conciergerie, il y avait des gens qui avaient peur de louer en location Airbnb. Je leur disais, quand j'allais les rencontrer, je dis, écoutez, je vous loue le bien et laissez, autorisez-moi à le sous-louer. On faisait du méga argent comme ça. On peut continuer à faire du méga argent. On avait un propriétaire, on était en train de signer la veille du Covid, 57 appartements, appart-hôtel complet. Il nous louait les 57 à un prix à 500 euros la nuit. On pouvait faire mon Airbnb facile 1 500 à 2 000 par chambre. Vous voyez les méga cash flow? Zéro risque. Le lendemain, il y a eu le Covid, on a arrêté le contrat. Pour cela, mes amis, ce week-end, c'est un week-end spécial. Stéphane et moi, on prépare ce séminaire depuis un an. Donc, c'est un séminaire qui englobe l'investissement immobilier en global. Allez, en général, on parle de tout ce qui est investissement immobilier locatif. OK? On parle de la location, comment acheter, comment louer, comment faire de la sous-location, énormément de modules, comment créer sa propre conciergerie. 2 jours de séminaire où on va parcourir tout avec vous, de A à Z. Si vous êtes débutant, vous êtes avancé, on va vous donner pas mal de pépites lors de ce séminaire. Ça sera un séminaire live. Quand? C'est ce samedi et ce dimanche, après-demain. On commence à 9 h, on termine à 18 h, 19 h parfois. On reste le samedi soir avec vous pour répondre à vos questions. De toute façon, tout au long de la journée, on va répondre à vos questions. 2 jours, vous allez maîtriser l'investissement immobilier locatif. OK? On va faire 16 modules pendant ce séminaire. 16 modules. Il y a eu une centaine de personnes qui étaient présentes au premier séminaire qu'on a fait en ligne. Cette fois-ci, on sera maximum une vingtaine, maximum une trentaine dans la salle. C'est une grande salle. On va parler de la sous-location en détail. On va parler comment réussir ces locations saisonnières et on va parler des stratégies de location, comment trouver les bonnes affaires, comment investir sans apport. Toutes ces pépites-là, comment enchaîner les investissements, quel type de baux choisir, les travaux, on va passer énormément de temps sur les travaux. C'est quelque chose qu'on n'a pas assez développé la dernière fois, on va assez développer pour les gens. Chaque pépite que vous apprenez de chaque module va vous faire gagner des dizaines de milliers d'euros. Des dizaines de milliers d'euros. Stéphane, peut-être tu veux nous dire un petit peu pourquoi ce séminaire, c'est Stéphane qui a insisté que ça soit en live, ce séminaire. Il me dit, Dani, cette fois-ci, on le fait en live. Oui, donc voilà, moi le but du jeu du séminaire, c'est vraiment qu'on puisse se rencontrer, mais surtout que vous puissiez passer à l'action. Parce que vous allez voir, être là avec des gens, parler avec des gens, prendre l'énergie en live, et surtout, comme on est peu, on va vraiment pouvoir discuter avec chacun d'entre vous de vos projets. Le but du jeu, c'est vraiment ça, c'est de vous voir vous passer à l'action. On va vous donner tout ce qu'on peut vous donner. Dani vous l'a dit, il y a 16 modules. On va vraiment passer du temps à faire en sorte que vous appreniez le plus possible. Et ça va aussi vous permettre à vous d'être entre vous et de faire du réseautage, d'apprendre à connaître des gens dans le milieu de l'immobilier, d'apprendre à discuter avec des gens, d'apprendre à discuter avec des gens qui font des travaux et apprendre l'un de l'autre aussi. Parce que c'est ça qui est génial quand on a l'opportunité de travailler avec des gens. Par exemple, moi, j'ai l'opportunité de travailler avec Dani. Ben, j'apprends avec Dani, j'apprends énormément et on discute de choses. Et surtout, quand on a fait le séminaire ensemble, ben, on discute des idées. Rien que le fait de faire le séminaire ensemble, ça nous a appris. Donc, vous allez avoir l'immense opportunité, justement, d'apprendre. Stéphane, qu'est-ce que tu en penses? Il y a une idée qui vient de me traverser à l'esprit. Je sais que j'improvise toujours, mais on est une dizaine pour le moment. Vu qu'on est à 2 jours du séminaire, on va être en petit groupe. Qu'est-ce que tu en penses qu'on offre une place? Chaque place achetée ce soir, une place offerte. Et peut-être pour ne pas pénaliser les personnes qui étaient là, les personnes qui ont déjà réservé, vous pouvez ramener une personne avec vous gratuitement. Allez, on va faire ça en petite communauté. Qu'est-ce que tu en penses, Stéphane? Voilà, j'ai improvisé ça, on n'avait pas parlé avant. Une place achetée avant minuit, une place offerte, comme ça on sera
une vingtaine, une trentaine dans la salle ce samedi, dimanche. Vous allez rencontrer énormément d'investisseurs. Vous allez venir nous poser des questions. On est des investisseurs comme vous. On a juste un petit peu d'avance par rapport à vous. Peut-être qu'il y a des gens qui nous ont dépassés dans l'investissement immobilier. Soyez humble. Soyez humble. Moi, je suis là à tous les séminaires, au premier rang, à prendre des notes. Et parfois, c'est pour ne pas apprendre des choses techniques, c'est pour élever mon niveau de foi, élever mon désir ardent pour réussir, rencontrer des personnes de qualité, rencontrer des personnes similaires, faire des partenariats peut-être, des futurs partenariats avec des personnes. Donc, c'est le 16-17 octobre. Où est-ce qu'il faut réserver sa place? Peut-être Stéphane va partager avec vous le lien qui est là, moi aussi. Vas-y, Dany, partage-le dans le chat. Oui, donc, écoute, on aura plus de gens si le catering peut suivre. Moi, tu sais bien, je n'ai pas de problème. Hein. Plus on peut partager avec des gens, plus ça me va. Donc, c'est toi qui es en charge du catering, comme on dit. Donc, si tu penses qu'on peut se le permettre, il n'y a pas de problème. Et on va bien manger, ne vous inquiétez pas. Mais c'est limité à 30 personnes. Je pense que c'est les 5 à 6, 7, 8 personnes qui réservent maintenant. C'est terminé, on bloque à 30. On s'excuse pour les personnes qui viennent juste après. On vous invitera à d'autres séminaires ou on vous donnera le replay juste après. Donc là, maintenant, on va parcourir un petit peu toutes vos questions. La première question que j'ai vue un petit peu là-haut, c'est la personne qui dit… Il y a quand même des malins ici. Dany, tu dois arrêter de télécharger des films, elle me dit Nathalie. Parce que ça buguait énormément. Merci Nathalie, mais comment tu sais? C'est ça la bonne question. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont dit, mais est-ce que c'est légal tout ce qu'on est en train de faire en sous-location? Est-ce qu'on a le droit de le faire? Est-ce que c'est autorisé? Oui, mes amis, avec les bons baux. N'oubliez pas qu'il y a deux baux. Un bail, vous et le propriétaire, et un autre bail, vous et le sous-locataire. Donc, il faut que ces deux baux coïncide, travaille ensemble. Si je fais ça, je dois faire ça. Je ne peux pas déroger. Quoi. Et de toute façon, ne vous inquiétez pas. Quand on pose la question si c'est légal, c'est simple. Si c'est Dany et moi qui sommes en train de vous présenter quelque chose, ça ne peut être que légal. Parce que non seulement on ne vous présentera rien d'illégal, mais surtout on ne vous présente que des choses qu'on a déjà faites. Donc on ne va pas venir dire devant tout le monde, on a déjà fait ça, ce n'est pas légal. Okay. Donc, voilà, Dany, il a fait de la sous-location, il en a fait énormément en Airbnb. Moi, j'ai fait de la sous-location même en tant que propriétaire parce que ça m'arrange vu que je suis loin. Donc, vous voyez, on ne vous présente vraiment que des choses qu'on a déjà faites. C'est d'ailleurs pour ça que dans le séminaire en live, pour ceux qui sont venus, on n'avait pas parlé de sous-location parce que je n'avais pas terminé ma sous-location. Et même si Dany me poussait, je lui dis, écoute, moi, je ne l'ai pas encore vraiment fait, donc il faut absolument avoir cette expérience pour la partager. Voilà. Vas-y, Dany, tu voulais dire quelque chose? Yes, mais non, je lis un peu les questions. Quentin, il pose une question intéressante. Il dit, le risque est quand même présent si vide locatif. Au lieu de payer de crédit, on paye le loyer. Mais effectivement, c'est beaucoup moins pesant qu'un emprunt. Et tu as répondu. Il y a toujours un risque, Quentin, mais c'est le module 6 que je vous ai montré. Il faut être réactif pour trouver son locataire. Et on va vous donner les canaux d'acquisition des locataires de qualité. Quoi. Et vous savez quoi? On a un mois, on négocie toujours un mois avec le propriétaire pour le meubler et sous-louer. On fait déjà rentrer énormément de cash flow pendant ce mois. On a déjà sous-loué la totalité du bien. Donc oui, il y a toujours un risque. Et au pire des cas, on perd 6 mois, par exemple, de loyer. Et puis on demande de sortir du bail et on arrête la sous-location si on n'est pas réactif et on ne fait pas les choses correctement. Pour réussir sa sous-location, il faut 8 étapes à suivre, étape par étape, parmi lesquelles être réactif pour trouver le locataire. Donc oui, mais bon, ici tu n'as pas un crédit pendant 25 ans et la banque derrière ton dos, ok? Tu donnes juste un préavis et tu pars 1 mois à 3 mois de la sous-location. Renaud, il dit, c'est pour ça qu'il faut s'informer au séminaire pour sécuriser à fond. Exactement. Et alors, encore une fois, vous allez voir, si vous devez négocier avec un propriétaire, c'est plus facile qu'avec une banque. Si un jour, vous êtes vraiment dans la problématique où vous avez un vide locatif et vous ne savez pas payer votre propriétaire,
C'est pas une banque. Vous pouvez aller lui dire, écoute, vous lui expliquez clairement pourquoi vous êtes en vie de locatif. Il voulait peut-être deux claques, mais bon, soit. Mais vous pouvez lui parler, c'est un être humain. Une banque, allez dire à la banque, ah, monsieur, j'ai un prêt, aujourd'hui, je ne sais pas vous rembourser mon crédit, ils ne vont pas aimer. Et vous allez être fiché. Pas bien. Donc, c'est vraiment moins risqué qu'aller à la banque. Mais ce n'est pas parce que c'est moins risqué qu'il ne faut pas vous bouger et qu'il ne faut pas vous remplir. Voilà, le but du jeu, ce n'est pas d'avoir des vies locatives. C'est comme Daniel a dit, quoi. Vous êtes proactif, vous allez trouver, vous allez vraiment remplir ces sous-locations. Okay? J'ai envie de vous le dire, si vous pensez déjà que vous allez avoir des vies locatives, le but du jeu, ce n'est pas de le faire pour des vies locatives, c'est de le faire pour du cash flow. Pensez au cash flow que vous allez avoir, quoi. Trouvez les locataires. Moi, je vois bien. On était en période en plus encore Covid quand j'ai fait cette sous-location et la personne qui l'a pris, elle l'a rempli, point. Elle l'a rempli. Voilà. Alors que, bon, ok, c'était bien situé pour une colocation parce que je fais des bonnes colocations, mais malgré tout, elle a rempli sa colocation. Voilà. Yes. Alors Valérie ici a dit le premier séminaire virtuel était topissime, hyper pro à recommander en face to face, c'est encore mieux. Malheureusement, nous ne serons pas en Belgique, sinon nous serions venus. Valérie, ça nous aurait fait super plaisir de te voir. Merci pour ton commentaire positif. Abdelkrim, il demande, on fait comment si on n'est pas en Belgique? Alors, si vous n'êtes pas en Belgique, le principe en lui-même, ça fonctionne. En fait, vous allez avoir des pépites. Sauf que les types d'ébos, je vais vous parler un peu, je n'ai pas en tête quel type de bail en France. En France, c'est encore plus complexe pour le type de bail à utiliser. Mais voilà, je vais vous donner le nom. Vous pouvez vérifier ou le télécharger quelque part et utiliser ce bail-là et pas un bail normal. Sinon, c'est illégal en France. Nat, elle dit, prévois-tu des cautions pour éventuels dommages lors de la sous-location? Excellente question, Nat. Guys, écoutez bien. Imaginez, vous louez une maison à 1 000 euros d'un propriétaire. Vous allez lui payer 2 000 euros de caution. OK? 2 mois de caution. Imaginez, vous avez 6 locataires à l'intérieur. Imaginez, vous avez 6 locataires à l'intérieur. Vous allez leur demander également 2 mois de caution. Donc, en fait, vous avez toujours un delta niveau caution également. Avec lequel vous pouvez même meubler au début facilement, quoi. OK? Mettre des annonces et tout ça. Et vous pouvez demander également au locataire une caution supplémentaire. Mais déjà, ils ont payé 2 mois de caution ou 1 mois de caution s'il faut. C'est déjà ça, quoi. S'il y a quelque chose qui casse, ben vous le déduisez. Et Stéphane va vous expliquer comment on fait des états des lieux un peu d'une manière rapide sans payer énormément d'argent. Et que ça soit valable. Je réponds à Manu et puis je te laisse, tu vois, cette question. Salut Dani, je peux venir tout seul. Il y a moyen de payer 200 euros pour une seule place. Manu, inscris-toi sur le lien. On en parle juste après ou peut-être on peut voir un petit peu avec Stéphane ce qu'on peut faire avec plaisir. Nat, elle demande, les baux avec les proprios sont de 1 an ou de 3 ans? Comme tu veux. Comme tu veux 2 ans, on peut faire 2 ans, tu veux 6 mois, on peut faire 6 mois. C'est toi qui décides. C'est toi qui décides. Si tu as peur au début, bah commence par 6 mois, par 1 an. Si tu veux faire du méga cash flow et tu es investisseur et tu fais ton calcul sur du long terme, va sur 9 ans. N'aie pas peur. Si tu veux être encore plus intelligent, va faire un emphytéose sur 50 ans. Imagine que tu payes un loyer aujourd'hui, tu te mets d'accord avec un loyer et dans 50 ans, à cause de l'hyperinflation, les 1 000 euros dans 50 ans, c'est comme si vous payez 10 euros aujourd'hui, quoi. Donc, je sais pas, c'est une idée, quoi, si vous voulez être rentier. La durée de sous-location les plus rentables, j'imagine, sont hebdomadaires, journalières. Cependant, cela nécessite énormément de suivi, conciergerie, blanchisserie, nettoyage. Donc, Nathalie, peut-être tu as pu louper la première conférence, mais on a parlé de ça. Il existe énormément de conciergeries qui peuvent nous décharger de ça. Moi-même, voilà, j'ai créé une conciergerie il y a 3 ans qui cartonne. Je veux dire, elle a énormément on a énormément de clients. On sait exactement ce qu'il faut faire. Donc, c'est ce que je vais vous expliquer pendant ce séminaire, comment même créer votre propre conciergerie pour
embaucher des gens qui gèrent vos biens et les biens des autres également, quoi. Alors, je vois une question aussi de Bernard. On ne doit pas respecter la loi du bail à résidence principale. Alors, on va vous donner tous les mots, on va vous expliquer les lois. Alors, les règles sont simplement différentes en fonction des baux. Tu as le bail de résidence principale, tu as le bail d'étudiant, tu as le bail de droit commun. Ce sont des baux différents et en fonction des baux, il y a des règles différentes à appliquer. Donc, on respecte toujours la loi, mais le but du jeu, et c'est ça qu'on va vous apprendre, c'est de choisir correctement les baux que vous allez signer pour pouvoir faire ce que vous voulez faire. Voilà, tout simplement. Si vous ne savez signer qu'un bail de résidence principale, eh bien, vous serez avec certaines contraintes et certaines choses qu'il faudra prendre en compte, c'est tout. Voilà. L'important, encore une fois, c'est comme Dany vous l'a dit, il faut vraiment considérer le bail que tu vas signer avec le propriétaire. Tu dois avoir ça en tête quand tu crées tes baux pour tes sous-locataires, tout simplement. Voilà. Une Voilà, question. oui, on va passer aux onglets questions-réponses. Brice, il te Alors. semble difficile de trouver un locataire qui me louera plus cher que ce que propose le propriétaire, surtout si le locataire ne peut pas bénéficier d'aide au logement type APL. Pourquoi? Ah, la question, c'est pourquoi? Tu vois, tout est négociation avec le propriétaire. Tu vois, moi, en tant que propriétaire, je comprends très bien que si je veux attirer des gens qui font de la sous-location, donc qui gèrent mon bien à ma place, en gros, c'est simple. En tant que propriétaire, c'est déjà un truc. Tu vois, en tant que propriétaire qui n'a pas envie de gérer son bien, tu as le choix entre quoi? Tu as le choix entre le mettre en agence, qui va te coûter un certain prix, ou l'avoir en sous-location. C'est déjà un des trucs que tu peux utiliser en négociation, Brice, c'est dire, ben voilà, au lieu de payer une agence, moi je vous le prends, vous serez tranquille avec moi, tu vois, c'est déjà un truc. Et donc, tu vas négocier sur un loyer plus bas, tout simplement, en échange de la tranquillité, et toi, tu vas te faire la différence, bien entendu. Donc, il y a moyen de trouver des gens qui vont te louer ça au prix du marché, alors de ce que toi, tu vas proposer. Un truc tout bête, tu loues à un propriétaire nu, tu loues meublé derrière, voilà, des trucs comme ça. Beaucoup de Alors ici, locataires. Oui, vas-y, oui. Denis. Donc c'est oui Stéphane. Donc là ici Brice, tu réfléchis en mode je loue l'appartement de chambre à 700 euros et tu réfléchis en mode comment je vais faire pour le sous-louer plus que 700 euros quoi. En fait parce que tu penses en mode location classique, ça veut dire tu l'as loué en deux chambres à 700 euros. Si je veux le louer à un autre gars, ben, est-ce qu'il va me le prendre à 750? Comment je vais faire? Si tu dis, tiens, je vais changer la stratégie de location, ces deux chambres, je vais mettre deux étudiants dedans, 500 euros dans une chambre, 500 euros dans l'autre chambre, ben, ça te rapporte 1000 euros l'appartement que tu as loué à 700 euros. Et donc, tu as 300 euros, je veux dire, brut ici, sans tenir compte des autres trucs. De delta. Si tu prends ces deux chambres à 700 euros, tu le sous-loues en location saisonnière, ça peut te rapporter 1005 par exemple, donc 800 euros en plus. Tu vois, donc toi tu réfléchis en mode, je prends en location classique, comment je vais trouver un locataire qui est. Il t'a dit Stéphane, tu peux toujours le faire en négociant le prix à la baisse au propriétaire en lui disant, écoute, je te le loue 1 an, 3 ans, tranquille, t'es tranquille, mais tu me le donnes à 500 euros au lieu de 700 par exemple. Voilà. Alors, les aides au logement, là encore une fois, ça va dépendre de ton public cible, ça va dépendre du type de bail que tu vas utiliser. Okay? Il y a différents types de baux. Donc, oui et non. La réponse, ça peut être oui, ça peut être non. Et ça devient vraiment très spécifique. Donc, ça, si tu viens ce week-end, on en parlera en détail. Mais ça va dépendre du type de bail que tu fais. Voilà. Tu peux se louer en résidence principale avec des aides ou pas, ça dépend. Voilà. Mais voilà, ça dépend du type de bail, absolument. Les revenus générés doivent être déclarés dans les impôts sur le revenu. Pas spécialement. Alors, ça dépend comment, encore une fois, ça dépend du type de bail. Le type de revenu dépendra du type de bail. Et la manière dont tu vas déclarer ces revenus dépendra si tu es en personne physique, si tu es en société. Là encore une fois, il y a plusieurs cas de figure. Et le but aujourd'hui, ce n'est pas d'aller dans chacun des cas de figure, sinon Daniel l'a dit, on va passer des heures dessus. Mais en fonction des cas de figure, tu vas en effet déclarer différemment. Voilà. Donc, Il y a une autre question de sa part également. Les revenus générés doivent
je pense être déclaré dans les impôts sur le revenu. Est-ce vraiment rentable? Écoute, Brice, je pense que tu es français, c'est ça, tu me confirmes? Oui. Ok, parce que tu parles des APL et tout. Il faut savoir que là, ce qu'on est en train de vous présenter ici, en France, la fiscalité est différente. Certes, tu vas avoir des revenus générés, mais tu vas déduire des frais, je veux dire, et le delta qui reste, tu vas le rajouter sur ta base imposable qui est imposée sur les tranches en fonction de où est-ce que tu trouves. En Belgique, en fait, c'est un peu plus simple. On a quatre types de revenus: revenus immobiliers, revenus divers et revenus professionnels. Il faut savoir que la sous-location, ce n'est pas un revenu professionnel, ne vous inquiétez pas. Donc, ce n'est pas la plus taxée, mais il y a d'autres revenus sur lesquels on va vous présenter où est-ce qu'il faut déclarer vos revenus. Et ce n'est pas les revenus bruts, parce que vous allez déduire les frais de conciergerie, les frais d'électricité, les frais d'assurance, le précompte immobilier, la taxe foncière, etc., 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 etc. Et puis, vous allez déduire la partie mobilier également, et l'autre, elle sera imposée aux revenus divers, qui est peu taxée par rapport aux revenus professionnels. Et malgré ça, quand même, vous allez faire des plus-values. Malgré ça, vous allez faire quand même des belles plus-values. Il ne faut pas s'inquiéter par rapport à ça. Et alors, tu l'as déjà dit, Dani, mais je le répète, c'est important. En France, il y a vraiment un type de bail très, très particulier à utiliser, sinon c'est illégal. En Belgique, c'est beaucoup plus simple, c'est facile. À la rigueur, même si tu fais pas attention à ton bail, tu restes dans la légalité, tu auras peut-être des contraintes auxquelles tu n'auras pas pensé. Mais en France, c'est super important, c'est vraiment encadré par la loi, il faut un type de bail bien spécifique, sinon tu n'as pas le droit de faire du bénéfice via la sous-location. Génial. Bah bravo aux trois personnes qui viennent de s'inscrire. Je vois les pop-up. Félicitations. Bah, vous pouvez ramener également une personne avec vous. On va se mettre en contact avec vous juste après la présentation. Il reste quelques places encore. Soyez proactifs. On se voit ce samedi à 9h jusqu'à 18h, 18h30. C'est à Bruxelles. Pour les personnes qui viennent de réserver, on va vous envoyer l'adresse par email ou par WhatsApp. N'oubliez pas de mettre votre numéro de GSM, c'est plus facile à communiquer. Si le jour J vous arrivez, vu qu'on est peu nombreux et il n'y aura pas une file de dingue dans le froid, si vous ne trouvez pas, donc la salle de réunion, on vous indiquera dans le Business Center. Valérie, elle demande: je vois une maison en location pour 1750 euros. Quatre chambres, l'annonce dit colocation interdite, cela veut dire que la sous-location interdite aussi. Il faut demander au propriétaire. Il faut demander au propriétaire, mais ici, peut-être souvent, c'est des immeubles, c'est des maisons de standing et qu'ils veulent une petite famille. Le propriétaire, peut-être, il a eu une mauvaise expérience avec de la colocation, il n'a pas envie. Donc ici, oui, c'est avec une piscine, elle dit. Donc ici, là, c'est quelque chose. C'est ce qu'on va parler un peu dans le séminaire. C'est le top du top de la rentabilité, en fait. Quand vous faites de la location saisonnière avec de luxe ou de la colocation ou du co-living de luxe, en fait, quand il y a des trucs comme ça, des piscines et tout, les gens sont prêts à mettre 1 000 euros, par exemple, par chambre pour pouvoir habiter à quatre dans un cadre pareil. Et imagine, tu loues à 1 000 euros la chambre. Que ça soit en location saisonnière ou colocation, c'est quand même super rentable. Je te montre un peu le niveau. Ça c'est le top du top. Quand vous apportez votre coup de cœur sur le bien et vous le louez en mode luxe avec un peu de service et des petits déjeuners et des trucs comme ça cartonne ce genre de choses. C'est là la méga Rolls-Royce de la rentabilité. Et donc ici, il faut voir le propriétaire, tu vois, genre. Pourquoi il dit que la colocation est interdite? Pose-lui la question. Tu dis, bah, écoutez, il y a le pitch que je vais vous donner. Tac, 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 tac. Tu lui cites tout ça. Lui, n'oublie pas. Lui, tout ce qu'il veut, c'est que l'argent tombe tous les mois. Et la deuxième chose qu'il veut, il veut être peace of mind. Demande-lui pourquoi la colocation est interdite. Et il va te citer les points qu'on sait, ce qu'il va te citer. Et on sait quoi répondre point par point à ce niveau-là. Et tu pourras peut-être te positionner en lui disant, écoute, je te la loue 3 ans, par exemple. Tu me la loues, par exemple, à 1 400 maintenant. Tu peux négocier ça. Il faut toujours un peu négocier.
Et là, tu es parti pour 3 ans, 1004, c'est rien, quoi. Si tu loues même ça en sous-location saisonnière, c'est jackpot. Ce genre de choses, donc 2-3 biens comme ça, tu es libre financièrement. Okay? Et tu n'as pas de crédit 25 ans sur ton dos. Super, bravo Valérie. Testez, testez, testez. Good. Stéphane, tu Oui, veux mais écoute, peut-être juste rappeler aux rajouter? gens, Oui. encore une fois, allez-y, si vous hésitez, allez signer le bon de commande maintenant, parce que ben, voilà, premier entrée, premier servi. Hein. Surtout si on commence à inviter, vu qu'on invite des gens, donc il y a vraiment cette limite de la salle à cause du Covid, bien entendu. Si on n'avait pas Covid, on pourrait inviter beaucoup plus de gens. Voilà. Oui, Valérie, fini les emmerdes de crédit. Bien, en effet, fini les emmerdes de crédit. C'est une autre manière de voir les choses. Oui, non, ça peut être une très, très bonne stratégie aussi. Voilà, donc s'il vous plaît, allez-y, cliquez, allez sur le bon de commande, remplissez le bon de commande, qu'on puisse vous envoyer les informations et surtout qu'on compte les gens, parce que je vois que ça rentre, donc il faut absolument qu'on compte les gens, comme ça on sait combien on sera. Voilà. Génial. Merci Stéphane, merci à vous tous. L'indépendance financière, seuls ceux qui sont éduqués financièrement vont s'en sortir post-Covid. Okay? Ce genre de choses, j'aurais aimé les avoir au début, quoi. J'allais me former en France, j'allais me former en Suisse sur l'immobilier avant de commencer. Il n'y avait pas autant d'informations disponibles pour nous quand on a commencé. Vous êtes en train de surfer sur la vague. Sautez dans le train parce que celui qui travaille pour une fiche de paye, il va vraiment, vraiment sentir la crise dans les années qui viennent. L'économie se relance, c'est le moment d'investir dans votre éducation financière et dans votre futur d'indépendance financière. Belle soirée à tous et on se voit donc pour les inscrits ce week-end à 9h à Bruxelles. Pour passer deux journées extraordinaires ensemble. Je vous dis à très bientôt. Merci à tous et à la prochaine. Allez tout le monde.